Bonjour à tous. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un cours, mais il s'agit du commentaire d'un document qui a été essentiel pendant la période qui nous intéresse, c'est-à-dire la Quatrième République. Il s'agit du préambule de la Constitution de la Quatrième République, Constitution qui a été adoptée le 27 octobre 1946. Alors, ce préambule, il est intéressant à plusieurs titres parce qu'il définit surtout des principes. Il ne définit pas la mécanique de la Constitution, même si je vais l'aborder très rapidement, mais il s'agit essentiellement des grands principes qui fondent la République aux yeux des constituants de 1946. Je vous rappelle cependant qu'il s'agit du second projet constitutionnel. Le premier projet constitutionnel qui prévoyait une assemblée unique avait été rejeté. Les socialistes et les communistes étaient partisans de cette assemblée unique parce que c'était une référence à la Révolution française, la constituante, la législative, la convention, etc. Bon, cela vous le savez. Donc, ce projet a été rejeté après référendum. Donc, il y a eu l'élection d'une seconde constituante. Cette seconde constituante a fait un second projet constitutionnel qui, cette fois, a été adopté avec un tiers, un peu plus d'un tiers des inscrits, c'est-à-dire majorité des votants, mais petite majorité. Donc, ce préambule, le voici. Je vais vous lire les principaux articles et au fur et à mesure de la lecture, je vais vous commenter ces articles dans certaines de leurs parties. Alors, l'article 1, voici ce qu'il dit. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine. Donc, il y a une opposition entre les peuples libres. Les peuples libres, c'était les peuples qui étaient sous domination de l'Allemagne nazie, mais on ne désigne pas les Allemands. On désigne les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine. Et dans l'article continue, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, à nouveau, donc, c'est dans la tradition française. Donc, on proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, je vais revenir sur ce mot-là, de religion, ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Point. Alors, on en est toujours à l'idée de race. Je vous rappelle que sous la Troisième République, dans Le Tour de France par deux enfants, le livre de lecture qui était en usage dans la plupart des classes, il y avait une grande planche avec les quatre races. Et bien sûr, le petit écolier faisait une hiérarchie entre les races. Surtout que lui, il appartenait à, comme disait son livre, à la race blanche, qui était la race qui colonisait. Donc, on parlait de race, et aujourd'hui, on sait très bien, mais à l'époque, on le savait déjà, pour peu que l'on en revienne à la pensée des philosophes éclairés, ceux qui avaient précédé la Révolution, que l'homme est homme partout sur Terre et que donc il n'y a pas de race. Et ce n'est pas une couleur de peau qui fait une race, bien entendu, parce que ça ne signifie rien. Pourquoi pas la couleur des yeux, pourquoi pas un autre critère, etc. Donc, la notion de race est une notion non scientifique qui pourtant va traîner dans les textes officiels de la République pendant très longtemps. Il n'y a que 2 années peut-être que le terme de race a disparu des textes officiels de la République. Donc, sans distinction de race, de religion et de croyance. Religion, croyance, bon, cela peut se rejoindre. Donc, l'individu possède des droits inaliénables et sacrés. Alors là, ça renvoie très clairement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789. Voici ce que dit le préambule, car il y a aussi un préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale-là, c'est la Constituante. Nous sommes en 1789, août 1789. Considérant que l'ignorance, l'oubli, où le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics. N'exagérons pas, ce n'est pas un oubli simplement qui explique
que les droits de l'homme ont été oubliés et que cela est source de malheur. Donc, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Donc, il y a toujours cette référence aux droits et libertés de l'homme consacrés par la République, mais ces droits sont inaliénables et sacrés. Et toujours le début de ce préambule continue. Il affirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration de 1789. Donc, c'est une référence directe à la Déclaration de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Donc, il y a des principes fondamentaux qui sont constitutifs de la République. Alors, on peut le résumer, bien entendu, très rapidement en disant liberté, égalité. Fraternité, ça viendra en 1848, mais liberté, égalité. Il proclame, alors c'est le second article de la déclaration du préambule. Il consacre en outre, comme particulièrement nécessaire à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après. Donc, on les énumère. Alors, voici l'énumération. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur en 1946. Et aujourd'hui encore, bien entendu. La femme, effectivement, reçoit le droit de vote, donc à la Libération. C'est un décret qui est signé par De Gaulle, mais c'est au nom de toute la résistance. Elle reçoit le droit de vote pour service rendu à la résistance. Mais vous le savez déjà, ce qui signifie que ce n'est pas de droit. Donc, c'est parce que la femme a rendu des services à la résistance que finalement, on peut bien lui laisser le droit de vote. Donc, ce n'est pas un droit automatique, inaliénable et sacré. Mais en 1789, il n'y avait pas de droit de vote pour les femmes, bien entendu. En 1945, cependant, on décide que à travail égal, il y aura salaire égal. 1945. Là encore, cherchez l'erreur. Aujourd'hui encore, les femmes n'ont pas, sauf dans la fonction publique, bien entendu, mais n'ont pas à travail égal un salaire égal. Il y a de menues différences, disons, qui existent toujours. Menu, c'est un peu ironique de ma part, bien entendu. Autre principe, alors là, c'est relativement plus simple. Tout homme persécuté, en raison de son action en faveur de la liberté, a droit d'asile sur les territoires de la République. Les territoires. Territoire, ça peut être aussi un territoire d'outre-mer. Est-ce que les colonies font partie de ces territoires? Oui, dans la mesure où la France va devenir une union française qui va succéder à l'Empire, l'Empire qui était, je dirais, existant avant, et en particulier dans l'entre-deux-guerres. Donc, bon, le droit d'asile est reconnu, il n'y a pas de discussion là-dessus, il est reconnu, et il était reconnu avant la Quatrième République, bien entendu, pour tout celui qui est persécuté en raison de son action en faveur de la liberté. Alors, reste à définir la liberté au sens large. Ben, celui qui est sous une dictature, forcément, peut jouir en France du droit d'asile. Chacun, autre droit, chacun, droit et devoir, chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Le devoir de travailler. Ben, la France, en sortant de la Seconde Guerre mondiale, est un pays qui est presque exsangue, qui a été détruit largement par les combats de 1940 et ensuite par le débarquement des Alliés, précédé par les bombardements. Bombardements qui, pense-t-on, ont fait les bombardements des Alliés contre les installations militaires ou civiles qui pouvaient être utilisées par les Allemands qui étaient des occupants. Donc on pense qu'il y a eu à peu près 100 000 personnes qui ont été victimes de ces bombardements. Donc, il faut reconstruire.
Et vous savez que l'on lance à ce moment-là la bataille de la reconstruction. Et qu'on met en exergue le rôle des mineurs en particulier, qui est l'image même de l'ouvrier engagé dans la bataille de la production. Car c'est l'énergie essentielle qui existe à l'époque, en France. Et donc, il faut absolument de l'énergie pour relancer l'économie. Donc, chacun a le devoir de travailler. C'est un devoir. Mais il a aussi le droit d'obtenir un emploi. Alors, bien sûr, la période de la reconstruction immédiate est extrêmement difficile, d'autant plus que se pose un autre problème, vous le savez, c'est le problème du ravitaillement. Donc, on demande beaucoup à la classe ouvrière, dont on tempère les revendications possibles, parce qu'il y a cette liaison entre le principal syndicat, la CGT, et le Parti communiste français. Et dont l'heure n'est pas à revendiquer. Le devoir du prolétaire, c'est de produire, et produire du charbon d'abord, et ensuite tout ce qui est nécessaire. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions et de ses croyances. Vous constatez qu'on a glissé là de la race aux origines. Donc, hésitation sur le vocabulaire malgré tout. Mais on employait le terme race qui va rester longtemps dans les principales lois qui organisent la République. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a deux syndicats. Le premier syndicat, c'est la CGT, la Confédération Générale du Travail, qui a été organisée en tant que CGT, je dirais, à l'extrême fin du 19e siècle, qui s'est constitué avant. Mais c'était des syndicats qui étaient indépendants les uns des autres, qui se sont fédérés, qui se sont confédérés, qui se sont organisés. La CGT a eu une vie un petit peu tumultueuse avec la charte d'Amiens en 1905, où elle pratiquait ce qu'on appelait de l'anarcho-syndicalisme. Ensuite, elle s'est divisée à la suite de la Grande Guerre entre la CGT socialisante et la CGTU, U voulant dire unitaire, qui était communisante, pour ne pas dire très proche des positions du Parti communiste. Et l'autre syndicat, dont nous sommes en 1946, dont la CGT est là, bien entendu, elle a été réunifiée, elle s'est scindée après la Grande Guerre, elle s'est réunifiée au moment du Front populaire, en 1936, donc il n'y a plus qu'une CGT, dirigée par Léon Jouot, qui est socialisant. Et il y a là un second syndicat qui apparaît en 1919, c'est donc la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens. C'est un syndicat qui est beaucoup plus modeste, mais il existe. Et donc, il existe dans le milieu ouvrier. Autre principe, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Dans le droit de grève, on ne revient pas là-dessus. Je dirais encore heureux. Il a été reconnu par Napoléon III en 1864. Donc c'est une vieille affaire déjà. Même si, bien entendu, les grèves étaient réprimées. Je dis bien entendu parce que c'est quand même une contradiction majeure. On reconnaît le droit de grève, mais on réprime les grèves. On peut toujours dire qu'il y a eu atteinte à l'ordre public. C'est-à-dire qu'une grève crée du désordre, qu'elle n'est pas suivie selon les normes et que donc l'État peut intervenir pour assurer l'ordre public. Donc le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent et on en revient à l'ordre public. Donc si l'ordre public est mis en danger, l'État peut intervenir pour réprimer la grève, ce qui se fera régulièrement. Vous savez qu'en 1891, à Fourmies, l'armée a tiré sur les grévistes. Vous savez que l'armée, pendant très longtemps, a été utilisée comme moyen de réprimer
les grèves. Et que les grèves, souvent, ce sont le départ des morts. Donc, faire grève, c'était un acte grave qui pouvait mettre votre vie en danger éventuellement. Mais il faut, les grèves sont reconnues, le droit de grève est reconnu indiscutablement en 1946, mais dans le cadre des lois qui réglementent la grève. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Alors, détermination collective des conditions de travail, ce sont les conventions collectives. C'est-à-dire que une convention peut être signée par les représentants des salariés, signée par le syndicat, et que les conditions de travail qui sont acceptées collectivement par les deux parties, c'est-à-dire l'employeur et les salariés, s'appliquent à tous les salariés. Alors, évidemment, ça évite le face-à-face entre ce qui était la règle dans l'entre-deux-guerres, hein, le face-à-face entre le salarié et le patron. Et dans ce dialogue qui était en théorie égalitaire, en fait, il ne l'était pas vraiment. Parce que le patron, face à un ouvrier qui risquait sa place, et qui n'était jamais reçu s'il était représentant syndical. Eh bien là, ce sont des conventions collectives qui sont acceptées, et ces conventions sont négociées par les syndicats avec les employeurs, et donc concernent tout le monde. Mais il y a également un autre élément dans cette déclaration, dont les tout travailleurs participent à la gestion des entreprises. Du calme, n'exagérons pas. Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise, mais dire qu'ils participent par l'intermédiaire de leurs délégués à la gestion des entreprises, c'est aller un peu loin et ce serait de l'autogestion, une gestion ou une co-gestion, ce qui existe d'une certaine façon dans certains pays, comme par exemple en Allemagne. L'Allemagne, c'est plutôt la co-gestion. En France, c'est plutôt le conflit. Donc, voilà quelques éléments, et cela continue. Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Autrement dit, lorsque un secteur est absolument essentiel pour la vie de la société, qu'il acquiert, comme cela est dit, les caractères d'un service public ou lorsque c'est un monopole de fait. La nationalisation est possible et je dirais même, d'après le texte, la nationalisation doit être effectuée. Alors évidemment, cela ouvre la porte aux nationalisations qui sont faites à la Libération, aussi bien par le gouvernement provisoire de la République française présidé par De Gaulle qu'après le départ de De Gaulle. Donc, ces nationalisations, vous le savez, elles concernent les secteurs clés de l'économie, et en particulier l'énergie et les banques. L'énergie, parce que sans énergie, il ne peut pas y avoir d'économie. Et que la reconstruction suppose la maîtrise de l'énergie. Et que le gouvernement, ou plutôt l'État, plus que le gouvernement, l'État peut, grâce à la maîtrise de l'énergie, promouvoir une politique ou une politique économique ou, plus exactement, des orientations politiques. Donc, nationalisation aussi bien du charbon, Charbonnages de France, que de l'électricité EDF, que du gaz GDF. Et puis également les grandes banques d'affaires qui seront nationalisées, et aussi les compagnies d'assurance. Voilà donc, si vous voulez, les secteurs clés qui permettent à l'État de définir des orientations et de reconstruire la base économique. Car nous savons que c'est la base économique qui va être reconstruite plutôt que de faire appel aux importations pour satisfaire les besoins urgents de la population.
C'est une période de restriction. C'est une période où on rationne ne serait-ce que la nourriture. C'est une période où on a faim, où on n'a pas les biens que l'on pourrait acheter en période normale. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Bon, l'individu et la famille, les conditions nécessaires à leur développement, de quoi s'agit-il? Il s'agit de se loger, de se nourrir, de s'instruire, de se cultiver. Donc là, les individus, aussi bien que la famille, ont droit à toutes ces conditions qui sont nécessaires à leur développement. Elle, c'est la nation. La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Autrement dit, la nation doit la solidarité à ceux qui ne peuvent pas travailler. Et là aussi, cela renvoie à un article qui date de 1793. C'est la Constitution de 1793 qui n'a jamais été appliquée. À peine a-t-elle été adoptée qu'elle a été mise sous le boisseau, dans un coffret en bois de cèdre venant du Liban, etc. Donc c'est quelque chose qui avait une certaine sacralité. Et c'est cette Constitution a été déposée jusqu'à la paix, car la France était en guerre pratiquement contre l'Europe entière. Et donc, dans cette constitution, il était prévu que ceux qui n'avaient pas les moyens de la subsistance devaient être pris en charge par la nation. Donc, c'est un petit peu une reprise de quelque chose qui, en 1946, paraît tout à fait évident et qui, aujourd'hui, paraît aussi tout à fait évident. C'est la solidarité nationale face à ceux qui sont dans l'incapacité de travailler. Déjà au XVIIIe siècle, on considérait que les personnes, on ne disait pas les personnes âgées, on disait les vieillards. Et on était vieillard à partir de 50 ans quand on avait été ouvrier agricole. Et tous ceux dont le corps souffrait, qui étaient dans l'incapacité de travailler, devaient être pris en charge par la nation, par la collectivité, si vous préférez. Article suivant. La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. Il peut y avoir des calamités nationales. Un barrage qui cède, c'est arrivé. Une inondation, une sécheresse. Que sais-je encore? Un tremblement de terre. Ben, vous savez que la France est une région de haute sismicité. Une épidémie. La variole, c'était quelque chose de banal. Le choléra a eu plusieurs vagues au cours du XIXe siècle. La dernière peste, c'était celle de Marseille. La peste a disparu en 1720. Donc, lorsqu'il y a une calamité nationale, qui n'est pas définie, bien entendu, on ne peut pas définir, on ne peut pas faire une loi spécifique pour quelque chose de particulier. Une loi, elle est forcément globale. Donc, cela donne droit à la solidarité et à l'égalité, la solidarité d'une part, et d'autre part, l'égalité de tous les Français devant les charges. C'est-à-dire une forme d'impôt exceptionnel pour financer la solidarité. Mais la Déclaration des droits de l'homme et citoyen avait déjà prévu que les charges, c'est-à-dire les impôts, devait être payé en fonction des facultés de chacun. C'est-à-dire que ce ne sont pas, sous l'Ancien Régime, c'était le tiers-État qui payait la plupart des impôts, et la noblesse et le clergé en étaient largement exemptés. Donc là, c'est chacun selon ses facultés, bien que cela ne soit pas précisé, mais ça paraît assez évident. La nation garantit l'accès, pardon. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle,
et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque, à tous les degrés, est un devoir de l'État. Donc, deux choses. L'individu a droit, l'enfant et l'adulte, donc l'individu a droit à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Il faut savoir que l'école, à cette époque-là, n'est obligatoire que jusqu'à 14 ans. Ceux qui vont dans les lycées, qui suivent un enseignement secondaire, sont très peu nombreux. En 1960, il y a un tiers d'étudiants par rapport à aujourd'hui. Cela va augmenter par la suite, parce que la scolarité aura été portée jusqu'à obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais en 1946, c'est jusqu'à 14 ans. Donc, dans les milieux modestes, la logique, c'est on a 14 ans, mais on va travailler. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête. Bon, rassurez-vous, c'est déjà fait. L'empire colonial est déjà là. D'ailleurs, les Français en étaient très fiers. En 1931, on avait fait une exposition, je dirais, de grande ampleur du côté de Vincennes, où on avait montré les réalisations, le côté positif de la colonisation, etc., avec des choses assez qui aujourd'hui nous choquent profondément, bien entendu, mais on était en 1931. En 1931, les raisonnements des individus n'étaient pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Donc, on avait organisé à l'époque des eaux humaines. Hein, c'est quelque chose qui est relativement connu. Donc, aucune guerre de conquête. Bon, ça y est, la France a ses colonies. Elle est sortie victorieuse de la Seconde Guerre mondiale. Mais on ajoute, et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Or, dans le programme que nous avons choisi, pardon, excusez-moi, que j'ai choisi pour cette année, la 4e République, nous savons que les guerres coloniales ont été à l'origine de la chute de la 4e République, et en particulier la guerre d'Algérie. Et que les colonies, les diverses colonies, ont revendiqué progressivement leur indépendance et que la France a mené des guerres coloniales. Encore une fois, il faut savoir que de 1830, prise d'Alger, à 1962, la France n'a jamais été véritablement en paix. Donc il y avait toujours la répression d'un mouvement à tel endroit, dans telle colonie, il y avait toujours une conquête coloniale qui se faisait à un moment donné, etc. Et puis ensuite, il y a eu, bien entendu, après la Seconde Guerre mondiale, les deux conflits majeurs, celui d'Indochine et celui d'Algérie. Mais ce ne sont pas les seuls. Donc, nous l'avons déjà vu. Donc, je disais que jamais on n'emploiera ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Bon, nous savons que cela est faux, mais le principe est beau. Mais voilà, il y a la proclamation et puis il y a les réalités. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. Bon, sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires. J'avoue que je reste un peu dubitatif face à cette phrase et à l'organisation de la paix. Est-ce que cela veut dire que l'Allemagne qui avait été nazie, est-ce que cela signifie que l'Allemagne vaincue doit être réintégrée dans le concert des nations et que donc on fait des limitations de souveraineté? Parce qu'après tout, la France aurait pu demander un traitement plus sévère vis-à-vis de l'Allemagne. De toute façon, les anglo-saxons n'en voulaient pas. Cela, c'était une garantie peut-être pour la paix, dans la mesure où l'Allemagne était réintégrée dans le concert des nations. Mais nous verrons comment les gouvernants de la 4e République réagiront par rapport à cela. La France forme, avec les peuples d'outre-mer, une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. Donc, il n'y a plus d'empire. L'empire, c'était un instrument de domination.
domination des Européens sur les colonisés. Maintenant, c'est fini, puisque la France forme une union française. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, une union, c'est entre des égaux. Si ce n'est pas entre des égaux, ce n'est pas une union, c'est quelque chose que l'on impose. Le plus fort impose à l'autre. Donc, il y a une égalité de droits dans cette union et des devoirs. Mais nous savons qu'il n'y a jamais eu une égalité de droits. Ou alors, vraiment, tout à fait, à la fin du processus de décolonisation. Souvent, on a adopté le double collège. Puisque, vous le savez, l'Empire, c'était à peu près 65 millions d'habitants, c'est une évaluation, et la France, en 1940, disons, c'était 40,3 millions d'habitants. Les colonisés étaient plus nombreux que les Français. Et très vite, les élus européens, français, vont refuser qu'on aille trop loin. Parce qu'à ce moment-là, comme disait Édouard Herriot, c'était les colonisés qui devenaient colonisateurs. Et ce qui n'était pas envisageable, bien entendu. Et donc, les principes étaient beaux, mais ces principes n'ont pas été respectés, puisqu'il y a toujours des distinctions, et puisqu'on a inventé le double collège. Les évolués, ceux qui avaient acquis la culture française, les boursiers qui étaient passés dans les lycées français, qui avaient accédé à des postes de responsabilité, faisaient partie de ceux qui pouvaient être élus députés de l'Union européenne, députés de français, siégeant au Parlement. Et effectivement, ils vont agir au Parlement. Mais il n'y aura jamais eu d'égalité des droits de la population de ces colonies avec les citoyens français. L'Union française est composée de nations, de peuples, qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer, alors là il y a un pluriel, leur civilisation respective, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Autrement dit, on reconnaît dans le cadre de l'Union française des civilisations différentes. Alors qu'au départ, la justification de la colonisation, c'était de civiliser, étant entendu que les autres n'étaient pas civilisés et qu'on leur apportait la civilisation. Mais là, dans la mesure où on passe de l'Empire à l'Union française, il y a forcément des civilisations. Et donc, l'Union française est composée de nations, de peuples qui mettent en commun, coordonnent leurs ressources, etc., pour développer leur civilisation respective, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Bien. Mais bon, là encore, ce sera particulièrement inégal entre les Européens et, entre guillemets, les indigènes, ou sans guillemets. Et pour terminer, fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires, écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire. Elle garantit à tous l'accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés et confirmés ci-dessus. Bon, ben écoutez, je ne sais pas comment on peut répondre à cela. Conduire les peuples dont elle a la charge à la liberté de s'administrer, ben, la réponse de la France, ce seront les guerres coloniales. Dans la liberté de s'administrer, certes dans une toute petite mesure, mais pas la possibilité de l'indépendance. Et donc, la lutte des colonisés, ce sera pour obtenir l'indépendance. Donc, une constitution qui se proclame de droits qui sont nobles, qui sont dans la tradition française, mais en même temps, des droits qui ne sont pas toujours
respectés de la façon dont ils ont été écrits, dans la façon dont on peut aussi les interpréter. Ce qui donne des arguments aux colonisés, puisqu'on leur reconnaît l'égalité, mais qu'en fait, on ne la respecte pas. Vous savez, quand un Européen descend d'un bateau, les gens qui sont là, sur le port, etc., ce sont des Arabes, ce sont des Berbères ou ce sont des Noirs, le tutoiement est facile. Et le tutoiement est également une sorte de sentiment de supériorité par rapport à eux. Ben, c'est toute l'histoire de la décolonisation. Mais nous l'aborderons à travers quelques exemples et surtout deux cas majeurs qui ne seront pas vus par les Français de la même façon, le cas de l'Indochine et le cas de l'Algérie. Alors pour terminer, mais je dois faire une manipulation, j'espère que je vais réussir. Voyons. Non, ça ne marche pas. Bon. Alors, simplement, je voulais vous montrer un croquis que bon, je vous montrerai lorsque nous nous retrouverons tous, hein, simplement pour que ce soit bien clair. Mais je crois que vous le savez déjà, il y a un pouvoir exécutif qui découle de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui décide qui aura le pouvoir exécutif à travers un président du Conseil qui sera le chef du gouvernement. Et avec entouré de ministres, et le président de la République. Le président de la République et le président du Conseil constituent le pouvoir exécutif. Et puis il y a le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, ce sont deux assemblées, c'est l'Assemblée nationale et c'est le Conseil de la République, autrement dit le Sénat. L'Assemblée nationale, dont les élus sont élus pour 5 ans, les députés sont élus pour 5 ans, et je les appelle déjà les sénateurs. Les sénateurs qui sont élus pour 6 ans. Donc, eux constituent le pouvoir législatif. Le Sénat a peu de pouvoir. C'est surtout l'Assemblée nationale qui a les principaux pouvoirs et le principal de ses pouvoirs, c'est-à-dire voter les lois. Ensuite, bien sûr, il y a le peuple. Le peuple, je préfère dire la nation, parce que constitué de l'ensemble des citoyens. L'ensemble des citoyens qui ont droit de vote et qui élisent par un suffrage direct les députés à l'Assemblée nationale et qui élit la nation et qui élit les sénateurs par un suffrage indirect, c'est-à-dire avec les délégués des municipalités, des conseils départementaux, et les élus qui sont déjà à l'Assemblée nationale. Donc là, c'est un suffrage indirect, ce qui explique que le Sénat ait moins de pouvoir que l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale est constituée des représentants directs. J'ajoute que le droit de vote, c'est à 21 ans. Donc, on est déjà un petit peu âgé par rapport à aujourd'hui, en tout cas. Bon, peut-être que les processus de maturation des individus, l'acquisition d'un certain code est peut-être plus lente qu'aujourd'hui, je n'en sais rien, l'hypothèse que je fais, mais 21 ans à l'époque pour pouvoir être citoyen. Voilà, si vous voulez, les principes. Alors, il faut savoir aussi que la Constitution, que vous pouvez trouver sur Internet très facilement, vous n'avez qu'à taper Constitution de la 4e République ou Constitution 1946, dont vous aurez le texte de la Constitution, et vous verrez qu'il y a plusieurs parties dans cette Constitution. Il y a une partie qui concerne le président du Conseil, une partie qui concerne le président de la République, une partie qui concerne les relations internationales. Donc vous avez un découpage comme ça en plusieurs parties, et là on entre dans la mécanique de la Constitution. Si ça vous intéresse, bien entendu, c'est d'un accès relativement aisé. C'est une compréhension qui est assez facile. Donc, vous avez tout le fonctionnement de la 4e République qui apparaît. Mais entre le texte et la réalité, il y a parfois un écart. Et c'est cet écart qui constitue l'histoire de la 4e République et que nous verrons au fur et à mesure.
Voilà, au revoir et merci.